ce vendredi matin, Joan Laporta a violemment chargé le Real Madrid. En cause, les clips régulièrement diffusés par la Real Madrid TV pour critiquer les arbitres. Une façon de faire qui fausserait le championnat selon le président du FC Barcelone. Un avis que partage Xavi. J'ai déjà dit que je n'aimais pas que les arbitres soient conditionnés. Je pense que cela dénature la compétition et que les arbitres sont conditionnés. L'affaire Negreira ne nous a pas aidés. C'est une réalité, mais nous devons l'affronter. Je partage à 100% les propos du président. Je ne suis ni le président de la Fédération ni celui de la Liga. Je suis surpris que l'on permette ce genre de choses. Cela dénature complètement la compétition. Simone a déjà dit que nous n'étions pas dupes. Bien sûr que nous le voyons, tout le monde le voit. Je suis d'accord avec Simone, nous ne sommes pas dupes, a-t-il confié en conférence de presse. Interrogé ce matin sur l'actualité du club Blaugrana, le boss du Barça n'a pas pu s'empêcher de tacler à nouveau les meringues. Le Real Madrid et le FC Barcelone marchent main dans la main pour le projet de la Super League. Mais en Liga, les deux éternels rivaux ne ratent pas une occasion pour se tacler. Et dernièrement, c'est sur un fond de scandale arbitral. La Casablanca a critiqué les culés pour l'affaire Negreira, les Blaugrana sont accusés d'avoir bénéficié de faveurs arbitrales en échange de paiement. Et les Catalans ont rendu l'appareil au meringue après de récentes polémiques arbitrales en faveur de Madrid, notamment face à Almeria. Interrogé ce matin sur la radio Raquin, Laporta en a remis une couche sur le Real Madrid. Madrid ne se comporte pas bien. Ils font preuve d'un cynisme inacceptable. Ils ont demandé l'extension de l'enquête sur l'affaire Negreira. Ce que fait Real Madrid TV est une honte, je ne sais pas comment ils se le permettent. La fédération espagnole devrait dire que c'est une façon de faire pression sur les arbitres. Un nouveau tacle en bonne et due forme de la part d'un club relégué à la troisième place du classement de Liga, à 10 longueurs des champions d'Europe 2022. Mais Laporta ne s'est pas arrêté là. Le président Blaugrana a encore une fois accusé le Real Madrid d'être le chouchou des arbitres, et estime même que la Casablanca est l'équipe la plus avantagée depuis l'instauration de la vidéo-assistance. Il est évident que Madrid a toujours été favorisé par les décisions arbitrales. Le match contre Almeria était une honte et tout le monde l'a vu. Et d'un autre côté, on dit que les arbitres aident le Barça. Ce n'est pas vrai, et nous sommes très occupés. J'ai toujours été contre la VAR, car elle fait perdre au football sa spontanéité. Si un arbitre fait une erreur, imaginez 5 ou 6. Pour moi et pour beaucoup de gens, il est évident que Madrid est l'une des équipes les plus avantagées. Florentino Pérez appréciera.